Oh bonjour les amis, vous êtes là. Qu'est-ce que je fais? Il paraît que dans l'espace personne nous entend crier. Alors je m'entraîne un petit peu. Ouais, parce qu'il va y avoir besoin. Souvenez-vous, dans tous les shmups que vous avez parcourus, il y en a bien quelques-uns qui vous ont fait hurler, qui vous ont fait rager. Il y a des manettes qu'on volait sûrement chez vous. Ne dites pas le contraire. J'ai les enregistrements vidéo. Et aujourd'hui, on va retourner dans un de ces titres légendaires. Qui a fait hurler Monsieur K. Non, pas comme ça. Je crois que c'était plus rageux quand j'ai hurlé sur R-Type. Puisque c'est lui qu'on va revisiter aujourd'hui. Et l'histoire de R-Type est assez chargée, longue et nantie de pas mal d'évolutions extraordinaires au cours de ces décennies qu'il a traversées jusqu'à nous. Mais bon, vous le savez bien, cette licence fait un petit peu partie de mes némésis niveau shmup. Et donc, j'ai trouvé très très sage de prendre rendez-vous avec un coéquipier. Là, je vois son vaisseau qui approche. C'est bien celui-là, fait devoir l'immatriculation. RL9A Hammertime. Ah, ça doit être lui. Allô, allô? Raphaël, tu me reçois? Eh oui, c'est bien lui. C'est Raphaël Lucas qui nous fait le plaisir ce soir d'être avec nous pour parler de R-Type sous toutes les coutures. Bonsoir Raphaël. Bonsoir, comment ça va? Ça va moins bien que toi, j'y arrive toujours pas dans ce jeu, c'est terrible, c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Je suis pas sûr d'être une grande aide, hein. Tu sais, comme je disais il y a quelques secondes, on disait en off, avec l'âge on vieillit et les réflexes sont moins bons, donc c'est un peu plus difficile, mais bon. Oui, non, R-Type ça reste une de mes séries favoris en termes de shoot'em up et de shoot'em up horizontaux. Ouais, d'ailleurs il me semble que t'as sorti un petit dossier sur ça récemment. Ouais, dans le dernier ou l'avant-dernier Pixel Love, un dossier de 20 pages sur toute la franchise avec des interviews inédites des développeurs qui ont participé au développement à partir de l'épisode sur PlayStation. Parce que on verra tout à l'heure profondément en profondeur. Ouais, parce que les gens te connaissent pas forcément, mais on sait que tu as ton nid dans un repère gamer bien connu qui s'appelle Gamekult entre autres. Alors, je travaille pour Gamekult, mais je travaille aussi pour Jeux Vidéo Magazine. C'est là où j'écris le plus et où je suis l'actualité, et j'écris aussi des livres à côté. Dernièrement, j'ai sorti un livre sur Castlevania chez Omake, et juste avant c'était un livre sur le cyberpunk, le genre cyberpunk chez Pixel Love. Et y a un autre livre qui arrive dans normalement pas très longtemps, enfin ça dépendra en fait d'Ubisoft, qui est un livre sur la franchise Prince of Persia, où j'ai eu pas mal de développeurs, que ce soit des idées pour le pop en 3D, les Sables du Temps, que ce soit le Prince of Persia de 2008, ou Jordan Mechner, avec qui j'ai passé dizaines d'heures en interview. Donc ça devrait être pas mal, je pense. D'accord. Et donc nous voici devant le titre, le fameux titre qui a fait hurler tant de monde. Enfin, je sais pas si je suis tant de monde, mais je fais partie des gens qui ont hurlé sur R-Type la première fois qu'ils sont arrivés, parce que déjà, c'était beau, on peut l'admettre quand même. C'était magnifique, et puis cette entrée, on est dans le noir absolu, d'un seul coup, on arrive et il y a des ennemis qui foncent dessus. C'est un grand classique, tu vois, on rentre dans la base ennemie, enfin on sait qu'elle arrive, hein, parce qu'on la sent. Au début, on se croit quand même chez un certain voisin qu'on connaît très bien et qui a défrayé la chronique récemment, quelques temps avant. Ouais, il y a du Gradius dans ce démarrage. Ouais, c'est clairement. Mais même Gradius, tu vois, c'est quand tu regardes toute la généalogie des jeux, des shoot'em up, tu te rends compte qu'ils sont tous plus ou moins inspirés de Scramble et des tout premiers jeux du début des années 80. Où tu avais justement une base. Je sais pas si tu as joué à Scramble. Ah oui. Bah, tu commences pareil, t'as des grottes, etc., etc., et il y a une sorte de narration par le décor. Et c'est ce que fait vraiment ce tout premier niveau de R-Type. Je sais pas si tu sais, mais quand ils ont développé ce premier R-Type, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé plein de niveaux différents. Et ils les ont arrangés, en fait, par la suite. C'est-à-dire qu'ils ont décidé quel serait le premier, le deuxième, le troisième, mais une fois qu'ils ont eu tout terminé, leur... tous les niveaux qu'ils avaient prévu de mettre dans le jeu. Surtout qu'il y avait un truc qui était assez difficile, c'était faire comprendre aux joueurs comment fonctionnaient toutes les subtilités liées à ce damné bouclier.
Ouais, mais enfin, et en même temps, ça se fait super bien quand tu y joues. Et c'est pour ça que c'est peut-être le niveau le plus intéressant. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est le premier niveau et c'est peut-être le meilleur niveau de R-Type. C'est celui qui est alors le plus accessible parce que c'est plus facile, qui est le plus scripté parce qu'il se passe pas mal de choses. Et en même temps, c'est celui où il y a suffisamment d'espace, parce qu'il y a finalement il y a très peu de tirs ennemis, très peu de tourelles ennemies, pour expliquer comment marche le jeu. C'est-à-dire que tu vois, tu as les petites pastilles qui arrivent, tu as le bouclier qui arrive, et on arrive déjà au premier boss, tu vois. Enfin, il est super court ce niveau, et il n'est pas très très dur, enfin, il me semble. Bah, c'est surtout qu'il est assez choquant quand on arrive sur le boss et qu'on a pigé comment ce boss fonctionnait. Parce que la première fois, on est choqué déjà par le design. Dans les yeux, tête, c'est compliqué, il faut. Mais en même temps, t'as un élément qui te tire, tu vois, et puis t'as cet élément vert qui est un peu différent de tout le reste du boss, du Dopkeratox, et qui te donne envie de shooter dedans, quoi. Et puis tu apprends au fur et à mesure, et comme c'est le premier niveau, bah, tu peux expérimenter un petit peu et. C'est un niveau qui, je trouve, marche super bien en fait, le tout premier niveau de R-Type, parce qu'il est. Parce qu'il amène chaque élément en fait. Il amène d'abord le bouclier, ensuite il amène la vitesse, on en parlera un petit peu plus tard. Et il t'amène ensuite la puissance des armes, les différentes armes. Vous pouvez tester deux des armes sur les trois qu'il y a dans le jeu, trois, quatre qu'il y a dans le jeu. Peut-être trois, je crois, si c'est pas bêtise. Et ça le rend très, très tutoriel en fait, ce premier niveau. Et le deuxième, bah, les choses commencent vraiment à commencer. Enfin, on a vraiment le niveau de difficulté augmente très rapidement. Et on a une arme supplémentaire avec ce fameux ver qui court le long des murs et qui va attaquer des ennemis qui sont flanqués. Et il y a tout ce côté gore qui a été annoncé par Dopkeratops et qui arrive là aussi. Oui, cette transition qui est assez monstrueuse, parce que dans le design niveau shooter, à l'époque, on n'était pas trop habitué à avoir des trucs biomécaniques, un petit peu à la Giger. Et là, on se retrouve dans un univers qui est totalement inspiré. Clairement, inspiré de Giger ou d'autres films de science-fiction ou développeurs, de créateurs d'univers de science-fiction et de monstres. Mais c'est vrai que ce qui choque le plus, vraiment, comme tu le dis, dans les premiers niveaux, c'est ce côté très, très organique dans le jeu. C'est vrai que quand tu regardes Gradius en comparaison, même si va y avoir peut-être un niveau, je sais plus si dans le premier il y a déjà le niveau où c'est dans Salamander, je me souviens plus, je mélange un peu tous les Gradius, enfin du moins les premiers, il y a un niveau qui est un peu organique, mais c'est ça passe pas, on a ce cœur là qui bat, et quand tu lis les tests de l'époque, notamment dans Tilt, c'est là que j'ai découvert R-Type, hein, dans Tilt évidemment, tout le monde lisait Tilt, enfin les années 80. Les mentions qui venaient plus souvent, c'était les premiers boss, quoi. Ouais, et gloire au safe spot, comme on l'a vu sur ce boss-là d'ailleurs. Je pense que c'est un des premiers jeux qui a mis autant en avant l'utilité des safe spots, parce que on va quand même pas se le cacher, R-Type, sa difficulté tient énormément au fait que les décors sont autant de possibilités de mourir que les ennemis. Alors c'est vrai, ouais, sur les épisodes en 2D, ouais, c'est très vrai. Et l'exemple qu'on. Ça tombe parfaitement là, à ce niveau-là, parce que ce niveau avec ce vaisseau qui est souvent inventé comme étant un des meilleurs niveaux, parce que justement tu as ce sprite gigantesque, enfin plusieurs sprites qui se déplacent en même temps et qui avancent dans l'écran et qu'on remonte tout du long. C'est un endroit où il y a plein justement d'endroits où tu peux mourir si tu n'es pas placé au bon endroit, quoi. Enfin si tu n'es pas bien placé. Il faut le connaître par cœur, et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu danse de la mort dans R-Type. Qu'on retrouve peut-être pas dans Gradius, enfin, même s'il est très dur aussi Gradius, hein, les Gradius sont très durs, mais on est peut-être moins dans la précision du placement, dans l'utilisation au maximum des possibilités de l'armement qu'on possède. Sur ce niveau 3, surtout, ce qui a marqué, c'était effectivement la taille de ce vaisseau, quoi. C'était la première fois, je pense, qu'on se tapait un boss de cette taille, genre on voit le truc qui avance sur l'écran, on fait, bon, il va faire un deuxième écran maxi. Et on découvre, au fur et à mesure, si on arrive à survivre, que le truc fait plus de 3 écrans sur les petites machines 8-16 bits de l'époque.
C'est quand même assez dantesque comme situation. Ouais, et les adaptations n'ont pas été simples, hein. Je pense qu'on va peut-être revenir sur d'autres éléments après, notamment Force et tout ça, comment ça a été imaginé. Mais c'est vrai que les adaptations ont été compliquées. Et pourtant, que ce soit la version Spectrum, les versions 8 bits ou 16-32 bits, il y aurait une petite histoire à raconter sur comment en fait les développeurs de la version AirType avaient en fait à l'origine fait une version pirate de AirType, entre guillemets, hein. C'est pas une version pirate, mais une version, une sorte de copie. C'est les mêmes qui avaient fait Great Genesis récemment et qui avaient eu donc Nintendo sur le dos. Et ils ont fait une version de AirType qui s'appelait c'est Katakis ou Denari. Ouais, c'est Katakis. Katakis, ouais, c'est ça. Et en fait, bon, qui est sorti ensuite, qui a été interdit, et puis ensuite. C'est eux qui ont fait l'adaptation officielle sur Amiga. Exactement. Et ce qui est marrant dans AirType, donc toutes les versions sont réussies à leur manière. Et ce qui est marrant avec AirType, c'est que, et on va le voir au fur et à mesure, on pourra en parler, c'est que vraiment chaque niveau, ce que je disais au début, c'est que tu vois, tous les niveaux ont été faits séparément. Bah, celui-là est vraiment particulier parce que on peut raconter son histoire. À la base, la création de ce niveau, c'est un glitch. Ouais. Donc, pour la petite histoire, en fait, il se trouve que l'équipe de dev, dans ses expérimentations de prototypes, un jour a fait une erreur et un vaisseau qui devait se déplacer a laissé une traînée. Et du coup, ça a donné l'idée à l'équipe de se dire, mais pourquoi on ne garderait pas ce système-là, c'est-à-dire on matérialise vraiment les traînées, ce qui fait que le joueur va être au milieu d'une nuée de vaisseaux qui lui remplissent l'écran, il va plus trop savoir quoi faire. Ouais, et l'écran est complètement rempli, là, tu le vois là. Et donc en fait, les passages sont très serrés. Alors, on est peut-être un peu moins dans le placement dont on parlait tout à l'heure, tu sais, là, dans ce niveau-là en tout cas. Ouais. Il y en a d'autres sur lesquels on va revenir. Celui-là laisse un peu plus de place à l'improvisation. Sauf que si on perd là, qu'est-ce qui se passe? Des armes. Et ça a fait enrager encore beaucoup de joueurs parce que en plus de la mémorisation, AirType était quand même assez vicieux pour vous faire redémarrer à poil, hein, comme on dit. Ce qui fait qu'un passage qui était tout à fait praticable avec les deux shields activés en plus du gros bouclier, redémarrer sans rien dedans, ça devenait vraiment un calvaire. Ouais, mais c'est pour ça qu'au final, tu terminais par, quand tu perdais une vie, en fait, par redémarrer la partie entièrement, quoi. Moi, c'est ce que je faisais. J'ai commencé sur la première version à laquelle j'ai joué. Je pense que c'était celle sur Master System. Qui avait justement sur ce niveau-là une partie qui était cachée avec un autre boss. Un niveau caché avec un autre boss. Et ce boss qu'on vient de voir il y a quelques secondes était aussi une horreur parce qu'il faut connaître les patterns absolument par cœur. Parce que sinon, il t'en sert et tu te fais écraser. Il faut peut-être revenir sur Satellite Force, je pense, ouais. Qui est une des idées. En fait, les développeurs se sont posés la question de savoir comment, quoi faire de nouveau, en fait, quoi faire de neuf, parce que Gradius avait son système d'amélioration en récupérant des petites pastilles avec un petit menu en bas. Et eux, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour se rendre un peu différent? Il y a ce système de force qui, à l'origine, devait. Si mes souvenirs sont bons, devait être déplacé un peu dans plusieurs directions, mais au final ne peut plus être que lancé en avant ou en arrière quand on le lâche. Mais alors, je sais pas pour toi, mais moi généralement je le garde, hein, sûrement, pour protéger l'avant. Oui, en général, on s'en sert exclusivement sur les boss dès qu'on a repéré le vrai point faible sur lequel on est certain que ça va faire un maximum de dégâts. C'est ça, et en fait, normalement, ce bouclier te protège complètement de l'avant, partie de l'avant sur le haut. On peut même détruire des ennemis
avec. Et on peut, oui, en le lançant, et ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on commence, en le lançant en arrière ou en avant. Et il y a peut-être quelque chose de la danse dans ce. Je te disais tout à l'heure, AirType, c'est une partition, en fait, chaque niveau est une partition. Et celui-là, alors là, c'est une partition qui est très serrée. Moi, j'ai l'honneur de te présenter d'ailleurs, effectivement, le niveau sur lequel j'ai arrêté le jeu, quoi, ouais, à l'époque. Ouais, c'est le niveau par cœur, parce que c'est un labyrinthe, si tu vas dans le mauvais coin, si tu choisis la mauvaise route, t'es mort parce que t'es soit écrasé, soit c'est impossible, soit. Ouais, il faut le connaître par cœur, en fait. C'est peut-être le niveau qui demande le plus de par cœur. Et notamment le boss, puisqu'en fait, c'est une variation de ce qu'on voit là, mais encore plus serré et tendu. Et c'est peut-être aussi le boss le moins intéressant en soi. Il est démoniaque et sadique, mais il n'est pas très intéressant à jouer, je trouve. Et donc, je disais, ouais, tous les premiers niveaux, je les trouve passionnants, les quatre premiers niveaux. Et c'est vrai que là, moi, tu dis, là, c'est un puzzle. Il y a un côté puzzle aussi dans AirType. Dans ce niveau-là, mais dans les autres aussi, puisque tu as quel armement pour quel type d'ennemi, quel armement pour quel type d'environnement, et est-ce que je vais garder ça, par exemple, les petites boules, sortes de verre, je sais pas comment on peut appeler ça, qui suivent l'environnement, et là c'était très intéressant parce que pour le coup il touche un peu tout, ou est-ce que je vais prendre le fameux laser qui rebondit un peu sur toutes les parois, tu vois, et je pense qu'il y a ce côté. On dit souvent que certains shoot'em up sont des puzzle games, plus que surtout Ikaruga. On dit que c'est plus un puzzle game qu'un shoot'em up. Et je trouve qu'il y a déjà un petit peu de ça dans AirType, plus que dans Gradius ou dans Darius, qui sont un peu plus soit dans le réflexe. Il y a une idée de placement de la pièce, du vaisseau. Du placement du satellite, est-ce qu'on l'envoie ou est-ce qu'on le garde sur soi, et de l'arme qu'on va utiliser et comment on va déjouer la routine des adversaires. Et là on voit, j'avais regardé ça, en fait il tue pas le boss, au bout d'un certain temps le jeu décide que c'est trop tard maintenant, t'as passé trop de temps sur ce boss, donc on va te passer au niveau suivant, t'as survécu donc tu y vas. C'est d'ailleurs à cause de ça que le jeu aura ses fans hardcore, et puis les gens qui, comme moi, ne l'ont pas trop apprécié à l'époque, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir affaire plus à un jeu de parcours qu'à un authentique shmup dans lequel ce sont les réflexes qui ont toutes leurs valeurs mises en avant. Ouais, et en même temps, il faut quand même un petit peu de réflexes, mais c'est vrai que le rythme est lent, et on va voir au fur et à mesure que certains épisodes, et surtout au final, le dernier en date, vu que là où on enregistre, Final 2 n'est pas encore sorti, même s'il y a eu une démo, ils sont un peu lents. AirType est connu comme un shoot'em up un peu lent. Ah, et là tu vois c'est un boss qui n'en est pas vraiment un, hein, qui pas extraordinaire, tu vois. C'est un boss cool quand on connaît le safe spot surtout. Là c'est ça, mais c'est tu vois, ça me fait penser à Star Wars, tu vois, les égouts de Star Wars. Oui, voilà. Le passage de l'évacuation dans les déchets. C'est ça, voilà, quand tu penses à ça, tu te dis, bon voilà, il y a cette inspiration là, a priori, même si on aurait aimé à ce moment-là peut-être que les murs se rapprochent pour aller encore plus dans la situation quand on y est. Mais tu vois, tout n'est pas réussi dans cet épisode, et comme je disais, je préfère largement les premiers niveaux, qui me semblent beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressants, même si, tu vois, le niveau qu'on a vu juste avant, qui ressemble un petit peu à un intérieur d'ordinateur, je le trouve passionnant à apprendre, tu vois, et à faire, mais c'est vrai que c'est une galère. Je crois que quand je l'avais terminé sur Master System, je crois que j'avais passé un mois d'août, je crois, entier pour apprendre le jeu par cœur, enfin pour le connaître par cœur et le terminer.
Je crois que j'avais récupéré une soluce pour pouvoir connaître les passages, parce que il me semble que je devais buter dessus en fait. Je pense que c'est un des niveaux sur lesquels j'ai dû plus buter celui d'avant. Et puis bah là, c'est ce fameux niveau qui dit bon bah voilà quoi. Ça va être une récurrence, on va le voir dans les R-Types, d'avoir un dernier niveau qui est alors à la fois plus organique, mais aussi plus abstrait. J'ai un terme pour ça, mais je sais pas s'il est adapté. Moi, je dirais obstétrique. Tu vas rire, mais j'avais un petit peu l'idée d'horreur gynécologique ou un truc comme ça, tu vois. Dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est, bah, on est au cœur de l'ennemi, qui est donc l'Empire Bido, cet empire biomécanique où la chair et le métal et la machine se mélangent. Et on a ces sortes de bébés qui nous sautent dessus. On verra que dans d'autres épisodes, il y a aussi des fins avec des niveaux avec des bébés, mais un peu différents. Et j'avais interviewé le développeur de R-Type Final et Final 2, et qui m'expliquait qu'en fait, quand on arrive à la fin d'un R-Type, on est à la limite de l'espace, tu vois, on est à la limite de ce que l'esprit humain peut comprendre. Et donc l'esprit humain donne forme à ces choses qui nous attaquent, mais qui peut-être n'ont pas ces formes-là, tu vois. Enfin, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais il y a ce côté un peu... ouais, ça va, c'est au-delà de l'esprit humain, tu vois, donc c'est pour ça qu'il y a ce côté. Mais c'est vrai que sur le premier, c'est peut-être pas aussi visible, parce que sur d'autres épisodes qui vont venir par la suite, qu'on verra tout à l'heure. Alors, sur le premier, la mise en contexte est assez claire de toute manière. L'abido, c'est une arme biotechnologique que les humains ont inventée, et puis l'expérience a merdé, elle a échappé à leur contrôle, donc ils s'en sont débarrassés dans un trou noir dans le coin de la galaxie, comme on met ça sous un tapis. Manque de bol, quelques années plus tard, c'est revenu. D'où le R-Type en mission pour aller nous sauver de cette menace que nous-mêmes avions créée à l'origine quelque part. Ouais, je trouvais que le lore de R-Type est tellement des fois incohérent et plein de... comment dire... de voyages dans le temps, de choses comme ça. C'est toujours la même chose avec ce genre de jeu où on essaye de raccrocher les wagons. Oui, c'est très rigolo la façon dont on fait les suites. Ouais. De se dire, alors ouais, il faut... là il se passe ça, il faut que ça se raccroche à ça, puis après on va créer du lore, notamment dans le R-Type Tactics, je sais plus comment était sur commande, je crois que c'était R-Type Command, où en fait il y a beaucoup de pages de lore pour essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé dans les épisodes précédents, tu vois. Et au final, ouais, R-Type, ça a été un énorme succès, et un succès, on le reconnaît à quoi? On le reconnaît au nombre de ses adaptations. Et suite? Et on va regarder ça tout de suite. How fast do you have to be to play the new Super R-Type for Super NES? This fast. Super R-Type from Irem for Super NES. See how good you really are. Super R-Type for Nintendo is hot, but you can't always stick around the house because... Timmy, get down here! In emergencies, you gotta travel light. New R-Type for Nintendo Game Boy. See how good you really are. Et donc, qui dit hit, dit nombreuses adaptations, comme on peut le voir. Aujourd'hui, on va explorer des versions très vintage sur des matériels qui sont pas forcément haut de gamme. Notamment, cette petite version qu'on trouvera sur C64. Ce qui est assez hallucinant quand même, c'est comment les studios se sont débrouillés pour adapter un matériel qui, quand même, à l'époque, on peut le dire, R-Type avait été développé sur borne d'arcade, un petit peu comme un labo de test, hein, mine de rien, puisqu'il ouais, était là pour pousser le hardware. C'était en fait l'attrait d'R-Type, c'était justement de montrer la puissance de la nouvelle carte d'IRM à ce moment-là, tu vois. C'était la M72, si je dis pas de bêtises, la M72, ouais, c'est ça. Et donc, bah, on retrouve. Il y a quelque chose. Il y a un site pour ceux que ça intéresse. Il y a quelqu'un qui a écrit un développeur sur ZX Spectrum, donc une machine encore moins puissante, qui a développé R-Type. Et on peut trouver une sorte de petit livre où il raconte toute son histoire et les sprites, etc. etc. Ça s'appelle It's Behind You, The Making of a Computer Game. Et en fait, il explique comment en fait ils ont été récupérés. Les sprites, les décors et tout ça, et on sait qu'en règle générale ça se fait très simplement juste en allant jouer au jeu
C'est en fait les développeurs allaient jouer au jeu et récupérer ou dessiner dessus les j'ai une anecdote du bouquin de ce Prince of Persia que j'ai écrit où Jordan Mechner explique que au tout début, avant de faire Prince of Persia, il faisait des clones, et notamment des clones de Shoot 'em Up. Et comment il faisait ? Bah, il allait dans la borne d'arcade, enfin la salle d'arcade du coin, et il passait toute la journée dessus, il amenait du calque, et il décalquait en fait pixel par pixel. Et en fait, il faisait ça. Alors à part peut-être certains studios comme Tiertex, qui eux avaient accès à la borne, ils travaillaient pour USGOT, ouais. Et ils ont fait des adaptations de Strider et tout ça, et eux avaient le droit à la borne d'arcade, et ils avaient créé un système pour figer l'image et capturer le sprite. Mais bon, là, on n'est pas du tout là-dessus, il me semble. On est plus dans la recréation, et c'est vrai que quand tu regardes chaque version, et notamment cette version Game Boy, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble énormément, quelque chose qui reprend les mi-codes ou les marqueurs du jeu, mais qui, à côté de ça, est un peu différent. Là, on voit bien que le sprite est un peu plus grand par rapport au décor, que le Dr. Atops est un peu plus petit que ce qu'il devrait être, etc. Mais bon, on s'adapte et c'est ce que font tous les développeurs à ce moment-là. C'est c'est la bonne technique aussi, ça marche bien d'envoyer son bouclier dans Dr. Atops dans la tête verte plutôt que. On peut aussi balancer des boulettes vertes du beam. On n'a pas parlé encore du beam. Ce gros tir laser, quand on garde l'énergie, le bouton de tir appuyé pendant un certain temps, et ça envoie une grosse patate directement dans l'ennemi. Il suffit généralement d'un ou deux pour détruire un boss, enfin du moins au premier niveau. Cette version Game Boy reste quand même assez incroyable, hein, puisqu'on peut quasiment compter les frames d'affichage, tellement la console est poussée à bout. Elle est belle. Elle n'est pas super super fluide, mais elle est jouable, parce que je pense que la version dont on parlait tout à l'heure, notamment sur ZX Spectrum, ne devait pas être beaucoup plus fluide. C'est vraiment une aventure assez incroyable. Là, on voit l'affichage, il est limite dégueulasse, quoi. Il y a des moments où il manque des objets à l'écran. Mais c'est présent, c'est fonctionnel, et ça fait le game. Ouais, ça marche, et puis l'esthétique est là, en fait. Tu retrouves tous les boss, c'est ce qu'on attendait, en fait, hein, quand on était, je sais pas pour toi, mais... Moi, ce que j'attendais d'un jeu, c'est qu'il ressemble à, même si c'était pas exactement la même chose, mais comme une borne d'arcade, tu n'avais pas accès tous les jours, à part si tu habitais à côté d'une salle, automatiquement, tu te faisais une image du jeu. Et qui comptait, c'est que ça ressemble et que ça. Même dans que ce soit aussi comment dire, maniable, que les mécaniques soient les mêmes et que l'ergonomie soit à peu près la même, tu vois. J'ai des souvenirs de Ghosts'n Goblins, d'y jouer sur Amstrad, et puis d'y aller en arcade. Et c'est vrai que en fait l'arcade restait, même si le but pour tous les développeurs était de faire l'arcade à la maison à l'époque, t'avais ce tu voyais bien quand t'allais dans l'arcade, dans les salles d'arcade, qu'il y avait une version qui était la supérieure version, qui n'était pas sur PC mais qui était sur borne d'arcade à l'époque. En tout cas, il y a eu une version qui a été particulièrement appréciée, c'était celle de la NEC, à part qu'il y avait une petite blague. Ah ouais, il était coupé en deux, le jeu, en fait. Oui, parce que les U-cards, qui sont ces magnifiques petites cartouches si faciles à égarer, faut savoir que niveau mémoire, elles sont pas si grandes que ça, et les développeurs ont eu beau faire tous les efforts du monde, c'était impossible de rentrer l'intégralité du jeu dans une seule memory card. Donc sur NEC, vous affolez pas. À l'époque, à la sortie, existait un R-Type 1 et un R-Type 2 qui n'est autre que l'autre morceau du premier jeu. Ouais, et il y en avait même quand Tilt Magazine a chroniqué justement ce R-Type sur PC Engine, pardon, ils ont expliqué qu'il y avait un problème et que voilà, que ça faisait cher en fait le jeu. Le sales spot même a changé. R-Type, ça faisait cher de payer deux fois pour juste en fait avoir les deux parties d'un jeu, quoi. Aujourd'hui, ça hurlerait, enfin, hein, je pense. Ouais, mais les DLC sont là, on se fait pas trop de soucis pour les éditeurs. Ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce qui comptait, c'est que ça ressemble en termes de maniabilité, qu'on retrouve un petit peu tout ce qui faisait le jeu, même si en soi, quand tu jouais à une version Master System et la version arcade, tu te rendais compte qu'il y avait quand même pas mal de différences, que ce soit dans la rapidité des ennemis, du tir, etc. Cette fameuse scène d'intro de R-Type 2 qui est extraordinaire, qui ressemble énormément à celle d'un autre jeu qui était sorti, d'un autre shoot'em up, si je m'en souviens, je le dirai, je me souviens plus, mais qui était sorti plusieurs années avant.
Une différence notable que dont tu te souviens sur le R-Type 2, parce que moi personnellement je n'ai pas vraiment parcouru celui-là. Entre les versions? Ouais. Est-ce que c'est quelle version là? C'est la version, c'est pas la version arcade? Ça c'est la version arcade. D'accord. Bah la version Amiga, je suis pas sûr qu'il y ait eu. Je suis pas sûr d'avoir joué à d'autres versions. Parce qu'on a toujours le système de la force, on a toujours le système du tir chargé, les bonus sont similaires. Quand t'appuies plus longtemps, une grosse palette. En gros, c'est ce qui va faire l'arrière. Tu vois, ça, en rouge, et en fait, ça. Et là, ce boss-là, en deux tirs sur la petite boule, et c'est fini. J'ai un ou deux tirs, je sais plus. Sur deux tirs chargés. Et il est très facile, cette boule. Voilà. Et le BIM, ils avaient déjà inclus la double charge? C'était à ce moment-là, ouais, dans celui-là, ouais. En tout cas, c'est là, magnifique. Il y a des niveaux, alors, c'est un fait qui est moins apprécié que le premier, parce qu'on considère qu'il est juste. Comment dire? Une itération. Ouais, c'est une itération, c'est juste une suite pas très inspirée. Il y a quand même ce petit niveau sous l'eau, il y a quand même quelques idées. Bon, évidemment, t'as le gros boss qui prend plusieurs écrans, ou t'en as plusieurs, qui sont gigantesques. C'est vrai qu'on retrouve, et c'est vrai que c'est aussi un épisode qui est très gris, très grisâtre, qui est très. Comment dire peut-être plus technoïde que biomécanique. J'ai l'impression parfois, enfin il me semble. Moi je l'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas la grosse plate. T'as ce boss là qui est juste infernal aussi. Oui, c'est une immondice. Je l'ai essayé ce truc, j'ai mis du temps à comprendre comment il fonctionnait réellement. Ah ouais, non mais c'est... Je me suis évertué à essayer de rentrer à l'intérieur quand même. Ouais, bah, tu sens qu'il y a... Ouais, c'était pas une bonne idée. Non. tu sens qu'il y a une volonté que les gens n'aient pas d'argent pour le jeu, mais c'est des jeux arcade. C'était le... Comment dire... Le point, enfin, tu vois, il fallait que les gens dépensent des coins, enfin, des pièces de 10 francs pour nous, en tout cas, à l'époque, pour pouvoir essayer, recommencer. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait... Après, il est plus beau que le premier. Comme souvent les secondes, mais c'est vrai qu'il est peut-être. Il manque peut-être un peu de. Peut-être de folie, peut-être de choses plus marquantes. On se souvient tous, je pense que c'est pareil, le premier niveau de R-Type 1, il est marquant, quoi, tu vois. Là, c'est pareil, c'est encore de nouveau un labyrinthe. Enfin, tu vois, déjà R-Type commence à, non pas à s'autociter, mais à reprendre des choses qu'il a déjà fait, tu vois. Ce boss est quand même infernal, parce que il faut éviter ses tirs en même temps qu'on essaie de récupérer des bonus, en même temps qu'on esquive le décor qui accélère. Il fallait que tu payes. J'ai beaucoup crié lors de mes essais sur celui-là. Et la première fois, le pire, c'est que c'est passé crème dans l'improvisation totale, ce qui est un miracle dans ce jeu, car je persiste, hein, c'est de la mémoire, ce R-Type. Et une nouvelle Jeanne de console, et hop, un nouveau R-Type discretos au passage avec Super R-Type sur la Super Famicom. Ouais, mais qui commence un peu comme le tout premier, ça. Il est comme le. Il y a ce. Déjà, il y a des conventions en fait dans la série qui s'installent. Même s'ils essayent, tu vois, toujours d'essayer d'amener un petit peu de nouveau, d'amener du script ou de faire. D'avoir une démarche un peu originale pour certains trucs, mais on retrouve des bases dans tous les R-Type. Et c'est vrai que quand on va passer, on le verra tout à l'heure à finale, je pense que le jeu va avoir déstabilisé beaucoup de joueurs et beaucoup de fans de R-Type, parce qu'il va chercher à faire autre chose. Surtout que... En s'inspirant de ce qui a été fait avant, mais en prenant la série sous un autre angle. Surtout que visuellement, là, il n'y a rien de flagrant par rapport à ce qu'on a déjà vu.
Non, regarde, tu vois, là, c'est le niveau du 2, en fait, c'est un mélange de niveaux, en fait. Et c'est vrai que il est propre, hein, AirType, Super AirType. Mais il apporte pas grand chose, c'est pas. C'est le problème de ces jeux où. À suite, où on. Comment dire. Multiplie les itérations, le plus court du monde. On fait des versions pour consoles qui reprennent des parties d'épisodes précédents. Ouais, en fait, c'est plus un travail d'opportunité commerciale que réellement une évolution, on peut dire, celui-là. Et du coup, là, on va arriver sur une autre itération du R-Type, hein, qui n'est rien d'autre que le R-Type Léo, que moi, enfin, j'apprécie. Et on va en discuter. Alors, R-Type Léo, ça a été quand même très bizarre parce qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas aimé et on va vite comprendre pourquoi. Puis il y en a d'autres qui l'ont aimé, je ne les nommerai pas, mais. Et je expliquerai pourquoi aussi. Ouais, moi, ça fait partie des épisodes dont je suis pas super fan. Je crois que la première fois que j'y ai joué, je me suis dit, c'est vraiment R-Type? Oui, on va faire un message d'alerte déjà. S'il y a des gens colorophobes, éloignez-vous de l'écran, il va y avoir plein de couleurs dans R-Type, ça choque au début. Et du coup, ce R-Type Léo, moi, je lui ai trouvé rapidement une grande qualité. La première fois que je l'ai lancé, j'étais pas convaincu que j'allais jusqu'au troisième tableau. Je me suis dit, de toute façon, tu vas jeter le jeu dans pas très longtemps. Et j'étais très très surpris du premier run, puisque contrairement au volume précédent, il y a beaucoup plus de parts qui est laissée à l'improvisation. C'est vachement agréable, du coup. Oui, oui. Et c'est vrai que ça. Mais ce qui gêne, tu vois, c'est que tout ce que tu as appris de R-Type, alors, tu vois, ça va contredire un petit peu ce que j'ai dit juste avant, où on se dit, R-Type, ok, il y a des conventions qui sont installées dès le premier, dès le deuxième épisode, et en fait, les suivants vont juste y reprendre, et notamment, toi, t'as des vers et tout ça, enfin, c'est des choses. Alors, il y a un gros changement qui a dû perturber pas mal de gens aussi, c'est qu'on n'a plus le bouclier devant, la force. Et du coup, c'est remplacé par deux petits shields qui ont en plus la particularité de pouvoir être auto-guidés si on les charge pour flinguer l'ennemi. C'est un... C'est vrai qu'en fait, ce qui fait R-Type, à mon sens, et c'est pour ça que moi, c'est vraiment pas mon épisode préféré, même si j'y ai joué. C'est ce que tu disais, c'est ce rapport entre je suis protégé, je suis pas protégé, je vais lancer force, parce que là je sais que ça va m'aider, mais je m'expose aussi à ce moment-là, tu vois. Et c'est. Force, c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse potentielle, tu vois. C'est dans le sens. Oui, souvent on regrette de l'avoir balancé quand on voit la nuée de boulettes qui vient de partir au même moment de la part des ennemis. C'est ça, et en même temps, quand tu sais bien l'utiliser, quand tu le vois en fait tourner autour de toi, quand tu le vois. Parce que tu sais très bien qu'en fait il va à l'inverse de tes mouvements ou des choses comme ça, tu vois. Enfin, et
quand tu le maîtrises bien et que tu peux faire des belles choses en fait. En fait, c'est très libre. Enfin, même si les routines ennemies, t'obligent à faire certains mouvements, t'es quand même assez libre de gérer tout ton matériel, etc. Et un peu comme là, tu vois. Et je trouve que R-Type, justement, un de ses marqueurs, c'est, tu l'as dit, c'est ce côté enfermé. Cloîtré où chaque niveau est une énigme qu'il faut un peu déchiffrer, tu vois, un puzzle qu'il faut un casse-tête qu'il faut résoudre, une sorte de Rubik's Cube mais simpliste évidemment, où tu te dis il faut le connaître par cœur. Quand tu joues au Rubik's Cube, pour réussir un Rubik's Cube, il faut connaître par cœur les mouvements, tu sais, pour chaque case, chaque ligne, chaque arête, tu sais qu'il faut faire tel mouvement pour faire ceci, cela. Bah c'est un peu ça. Et sauf qu'il y a cette ouverture à une sorte de geste. Et il y a des vidéos dans d'autres, sur le premier type notamment, où il y a les joueurs utilisent le bouclier de façon, enfin le force satellite, de façon originale, et c'est vraiment, on est vraiment sur de la danse de la mort, tu sais, une sorte de chorégraphie où on est à la fois efficace et en même temps efficace contre le jeu, efficace contre les hordes qui viennent t'assaillir. Et en même temps, il y a du beau, tu vois, il y a du mouvement, il y a une gestuelle, il y a un mouvement. Ça, c'est quelque chose que tu peux voir dans tous les shoot'em up, c'est ce côté, et surtout les mini shooters, ce côté je me déplace entre les boulettes et j'arrive à passer entre deux boulettes, et alors t'as l'impression en fait que ça touche, mais non, ça touche pas, parce qu'en fait le mec connaît parfaitement le point sur lequel en fait il va être éliminé, tu vois. Ce niveau est particulièrement gorgeous, quoi, niveau graphisme, oui, ils se sont lâchés totalement. Ça, pour le coup, ouais. C'est souvent, tu vois, les niveaux sous-marins sont... On parlait du niveau du 2, là, le deuxième niveau du 2. Où t'es justement un petit peu moitié dans des grottes, un peu sous l'eau et tout ça, et ça ralentit un peu le mouvement de ton véhicule. Il y a beaucoup de shoot'em up comme ça qui je trouve, profitent énormément de niveaux sous-marins. Je pensais à Thunder Force 4. Ouais, le 4. Je pense à... je crois que c'est In The Hunt, celui avec le sous-marin. Oui, In The Hunt, ouais. Ouais, qui est, le Metal qui est hardcore, Slug du shmup. Qui est hardcore, mais qui est magnifique aussi, hein, dans le genre. T'as Cross Out sur Amiga, qui a un niveau comme ça, le premier. D'ailleurs, je me demande s'il se passe pas entièrement sous l'eau. Je me souviens plus. Enfin, en tout cas, le plus premier niveau est sous l'eau, et il est aussi pareil, il est magnifique, dans le genre. Il y a, et puis évidemment, on va revenir sur Darius. Qui a ses boss qui sont tous des animaux marins, un peu comme celui-là. Donc, tu peux te demander s'il n'y a pas justement ce genre d'influence. Ah oui, carrément, parce que là on peut carrément le dire, c'est le R-Type Léo, c'est un des volumes où on voit carrément que le titre s'en va emprunter chez les voisins pour dire eh, nous aussi on sait faire comme Darius, nous aussi on sait faire comme Gradius, regardez. Et ce qui est vraiment appréciable, alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais ce qui est vraiment appréciable, c'est la lisibilité du titre. Moi, je me rappelle vraiment quand je l'ai lancé la première fois, je suis allé très très loin dans ce jeu. Donc ça devait être une déception pour les gens. Je sais pas s'il existe en arcade celui-là. Je crois que oui. C'est vraiment au-delà du fait qu'il devait pas être rentable s'il y avait une version arcade, parce qu'on pouvait rester dessus des plombes. C'était une grande satisfaction parce que le but d'un shmup, quand on joue,
c'est d'aller le plus loin possible. On veut voir les fourberies qu'ont programmé les développeurs un petit peu plus loin que là où on en est. Et sur ce titre-là, bah, tout est limpide, tout est clair, quitte à utiliser quand même des registres qui sont relativement bateaux. Mmh. Mais ça reste un grand plaisir d'y jouer. Il n'y a plus le côté frustration du Parker, je trouve. Ouais, ouais, non mais c'est deux écoles différentes. Tu vois, c'est un peu comme Dodonpachi, tu vois, tu peux facilement avancer quoi, dans Dodonpachi. Mais par contre, pour scorer vraiment, il faut faire attention. Il y a un certain nombre de mouvements, il y a un certain nombre d'ennemis à tuer dans tel ordre pour réussir à récupérer les grosses étoiles, etc. etc. Enfin, on va pas parler de Dodonpachi tout du long, mais il y a. C'est marrant ce petit niveau là, avec ce petit scrolling là. Vraiment passé là, dès la première fois là, c'est là où j'ai commencé à passer des vaisseaux. Parce que je ne comprenais pas trop ces blocs, ce qui est réservé. Et la surprise du retour du glitch maudit, j'ai pas beaucoup apprécié. Et là, les vaisseaux ont commencé à cramer en série. Ah ouais, tu m'étonnes, ça commence à y aller là. Quand l'écran est occupé comme ça, ça devient. Et qu'il faut le vider. Ça devient compliqué. Hein. Mais il faut dire que le vaisseau est super équipé hein, du coup dans cette version. Si on gère correctement ce bouclier avec son auto-guidage quand on le charge, il y a moyen de se dépêtrer de moments d'encombrement sans trop de difficultés. D'ailleurs, je crois que c'était le premier dans toute l'histoire de la licence où on continuait d'avancer plutôt que de repartir à un checkpoint à perpète. Ce qui veut expliquer aussi que ça le rendait un peu plus facile malgré que. Malgré toutes les trips et toutes les. Surtout ce boss là qui est particulièrement pénible avec ses ascenseurs qui montent et qui descendent en même temps qu'il faut comprendre ces petites matrices de boulettes pas très compliquées, mais du coup ça fait du haut du bas à gérer, du gauche du droite, plus les lasers qui viennent vous limiter. Et le boss en fait qui t'envoie dessus en même temps. J'ai un peu de suée quand même. Attention le petit rayon. Il y a toujours un petit rayon quelque part chez les boss, même dans Final 2 là dont la démo est sortie il y a une semaine, aujourd'hui, il y a une semaine est sortie, et en fait le boss de fin c'est pareil, il est beaucoup plus simple, mais c'est un Dopkeratops qui est enfermé dans une sorte de gang de glace, et il y a juste la tête qui sort et qui lance un laser de temps en temps et quelques trucs sur les côtés, mais tout simple en comparaison. C'est vrai qu'on se rend compte en fait de la difficulté des jeux d'époque, hein, comparé même à des shoot'em up actuels, je trouve. Mais c'est vrai que du coup, arrivé à ce moment-là, on n'est pas loin des années 2000, les jeux 3D commencent à débarquer en force, puisque même les petites consoles commencent à manipuler ça à la maison tranquillement depuis l'arrivée de la PlayStation. Donc on se dit, la licence, c'est mort. Il n'y aura plus que des remakes ou on sait pas trop ce qui va se passer. Quoi. On imagine mal avoir un nouveau volume de R-Type à ce moment-là. Bah, c'est le problème du shoot'em up. Hein. C'est aussi le problème du beat'em up. Hein. Dans ces époques-là, c'est qu'on commence à avoir d'autres... je crois que c'était... Castlevania... Symphony of the Night, pardon. Où, en fait, les... Je crois que Konami avait annoncé un jeu pour PlayStation et pour Saturn. Et en fait, il s'est avéré que, bon, il a été annulé, mais on gardait quelques éléments 3D dans Symphony of the Night, mais ils sont restés à la 2D. Et il y a quelques personnes et quelques journalistes qui ont critiqué le jeu parce que justement, il y a eu un moment, quand on était sur juste au moment de la PlayStation, donc un petit peu après, là, de ce qu'on voit là, où t'avais une obsession pour la 3D. Il fallait qu'un jeu soit en 3D, sinon il était pas bon quoi. Et c'est pour ça que des jeux comme, je sais pas si tu connais Cannon Dancer, Osman. Non.
C'était une sorte de suite officieuse, enfin du moins spirituelle, de Strider. Elle est sortie, je crois, en 80, je sais plus si c'était en 97 ou 98. Et en fait, il n'a pas connu du tout de succès, quoi. Il est quasiment, ça fait partie des jeux d'arcade pour le moins connus ou méconnus, et alors que il est génial. Mais c'est parce que c'est de la 2D. Mais c'est pareil, ça a été les mêmes questionnements pour le jeu de Shai, comment c'était déjà, Heart of Darkness, où en fait, même si les gens saluaient la réussite graphique de la 2D, ça n'a pas collé pour pas mal de personnes qui attendaient de la 3D, qui préféraient jouer à, je ne sais pas moi, Silent Hill à l'époque, ou Nightmare Creatures, par exemple. C'est vrai que ça a été quand même une grande douleur, du coup, ce passage pour certains types de jeux qui n'étaient pas vraiment adaptés du goût des joueurs à être recréés en 3D. Il y avait un gros doute, et les shooters en faisaient partie, hein, au même titre qu'au début, les jeux de combat, de fight de base. On se disait, jamais en 3D on aura la souplesse qu'on a avec nos bons vieux sprites. Et pourtant, quelques années plus tard, bien que R-Type soit enterré, qu'est-ce qui s'est passé?